parler, je vois la présence de Dieu envahir ce lieu et sa gloire venir au milieu de nous. J'aimerais ce matin que tu ouvres ton cœur et que tu ouvres ton esprit à ce que Dieu a prévu de faire en ta faveur. Je refuse que tu passes à côté, que tu rates ce que Dieu a planifié pour toi. Je dis, je refuse que tu rates cela. Mais j'aimerais que pendant la prochaine minute, je te donne une minute, j'aimerais que tu parles à Dieu et que tu lui dises ce que tu aimerais le voir faire pour toi ce matin. Élève ta voix, parle à Dieu. Pendant une minute, élève ta voix. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Je pensais que j'allais entendre l'église en train de prier. Je pensais que j'allais entendre l'église en train de prier. Je pensais que j'allais entendre l'église en train de prier. Montre-moi que tu es là. Na tomboli yangama boko ibayanzambe ya lol na betela kiyotolo na loba kyoza nanguya tina memaya galibota. Yaya kota na tako nanga Meme langa ikimia Na chie yanga motema Epa yanga mena lola. Dile lui. Mona tako mbo nanga liloyo. Montre moi que tu es là. Na tomboli yanga maboko. Juste ça. Gana betela kiyotolo ha. Na loba kyoza nanguya tina memaya galibota. Karabashi kolokota na takonanga memela ngai. Encore une fois. Monata Kombonanga. Montre-moi que tu es là. Natomboli Yangama Boko. Juste ça. Na betela kiyo tolonga yoyo na loba kyoza nanguya kino na memaya galibota arabasi osata baba hey. Na betela kiyo tolo na loba kyoza nanguya tina memaya galibotae. Yaya kota na tako nanga Memela nga ikimia Na chie ya gamote ma Karabasha ya mangrosa. Oh.
Je prie dans le nom de Jésus que le ciel soit ouvert au-dessus de nos têtes et que ton esprit vienne au milieu de nous. Précieux Saint-Esprit de Dieu, merci de faire ta volonté ce matin. Merci d'accomplir tes plans ce matin. Et laisse que rien ni personne ne t'empêche d'atteindre tes objectifs. Seigneur, merci d'activer la foi de quelqu'un. Que la foi qui était déjà morte se réactive ce matin. Je disais que ta foi qui était déjà morte soit réactivée ce matin. Et que le Seigneur t'introduise dans une nouvelle dimension de foi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce que quelqu'un peut m'aider à bien acclamer le Seigneur? Alléluia. Tu peux te rasseoir là où tu es, une minute. Combien sont dans la joie d'être là ce matin? Je disais, combien sont dans la joie d'être là ce matin? Moi, je suis extrêmement heureux de me retrouver avec vous. Et je sais que le ciel est ouvert sur nous. Qui m'a donné le plus grand amen? Qui m'a donné le plus grand amen? Je suis très heureux de voir Abel. Alors qu'il va se lever, on va acclamer le Seigneur. Très heureux de t'avoir. Je vois plusieurs autres visages que je n'ai plus vu, ça fait au moins des lustres. Et que le nom du Seigneur soit béni pour votre présence. Rapidement, si tu as ta dîme avec toi, tu vas la prêter. De là où tu es, si elle est prête, tu vas déjà venir avec. Si tu n'as pas encore d'enveloppe, tu lèves la main et le protocole va te remettre une enveloppe. Que Dieu te bénisse et qu'il t'augmente.
Que Dieu te bénisse et qu'il t'étende. Que Dieu te bénisse et qu'il t'accorde les désirs de ton cœur. Que Dieu te bénisse et qu'il te surprenne surnaturellement. Dans le nom de Jésus. Si tu n'étais pas prêt, tu vas juste lever la main. Le protocole va te remettre une enveloppe verte pour ta dîme. Et si c'est pour une quelconque autre contribution, le protocole te remettra une enveloppe qui correspond à cela. Alléluia. Amen. J'aimerais en même temps, je pense que je le ferai à la fin du culte, tous ceux qui ont apprêté leurs enveloppes afin de contribuer par rapport au mariage du pasteur James. Apprête déjà ton enveloppe à la fin du culte. Nous serons en train de les récupérer aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien sont prêts pour le mariage du pasteur James? Combien partagent leur joie, la joie du pasteur James et de la sœur Nadine? Combien partagent leur joie? Alléluia. Amen. Nous partageons tous leur joie. Amen. Amen. Ce matin, je crois que le ciel est dangereusement ouvert sur nous. Et que même si Satan ramène tous ses démons avec lui, il ne réussira pas à t'empêcher ce que tu dois, à recevoir ce que tu dois recevoir. Je te dis la vérité. Donc même si Satan va maintenant en enfer, il prend tous ses démons avec lui, il ramène tous les sorciers de là-bas pour t'empêcher de vivre ce que Dieu veut que tu vives, il ne réussira pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a décidé de te visiter. Alors j'aimerais que tu m'aides à saluer cette personne et à leur dire c'est la matinée de ma visitation. Réussis à atteindre 7. Salue seulement le voisin, on ne sait jamais. Peut-être que toi tu vas rater ta visitation, mais lui il ne va pas rater, alors sa visitation va t'aider. Il ne sait pas quelle visitation il va recevoir. Alors salue-le seulement. Les Kinois disent Bapé Sarara Kambote. Alléluia. Peut-être que tu viens de saluer ton futur fiancé. Je pensais qu'une sœur allait me dire amen. Alléluia. Frère, peut-être que tu viens de saluer ta future fiancée. Alléluia. Amen. Ce matin, je crois que Dieu est avec nous. Mais avant d'entrer dans le message, vous savez que le 30 juin nous sommes ici. Pour un programme sérieux de prière pour la nation. Pour un programme dangereux de prière pour la nation. Ce 30 juin, nous serons ici avec tous les autres chrétiens de la ville, tous les autres chrétiens de Bukavu, et certaines personnes de toutes les couches de la société. Nous serons là afin de prier et de rechercher Dieu pour notre nation, pour notre province. Nous n'avons pas deux pays, nous n'avons pas trois pays, nous n'avons que la RDC. Alléluia. Peut-être que toi tu en as cinq, moi je n'ai que le Congo. Alléluia. Alors pour le bonheur de Sion, pour le bonheur de la RDC, je ne me tairai point. Nous allons prier, nous allons chercher Dieu jusqu'à ce que le ciel soit débloqué en faveur de notre nation. Donc nous allons célébrer cette indépendance de manière particulière. Nous allons la célébrer sur les genoux de la prière afin que le ciel libère maintenant quelque chose de nouveau en faveur de notre pays. Combien ont déjà vu les panneaux dans la ville? Et je pense que cette semaine nous allons continuer de faire des efforts afin de sensibiliser encore. À la fin du culte, rappelez-moi, il y a des... Je ne sais pas s'il faut que je le fasse à la fin. Je vais le faire maintenant. Il y a des enveloppes qui sont là. Est-ce qu'on peut m'apporter les enveloppes et les invitations? Il y a des invitations qui sont là. Tu aimerais inviter aussi quelqu'un? Tu aimerais inviter quelqu'un que tu connais qui occupe peut-être une quelconque fonction? Alors il y a des invitations très très professionnelles et très très nationales. Je vous assure, elles sont très nationales. Viens avec.
Déjà, l'enveloppe elle-même est très nationale. Et l'invitation elle-même aussi l'est. Donc s'il y a quelqu'un, il y a des gens, un groupe de personnes, plusieurs personnes que tu aimerais inviter, lève juste la main et le protocole va te remettre les enveloppes et les invitations avec elles. Lève juste la main, qu'un protocole soit en train de dire le papa trésor rapidement. Est-ce que plusieurs protocoles peuvent être en train de l'aider rapidement? Merci. Et les bons réflexes, levez juste la main, le protocole va vous remettre une enveloppe, une invitation, une enveloppe, une invitation. Invite ton DG, invite ton PDG. Une église, c'est le programme de la RDC, c'est le programme de la province, c'est le programme de la ville, c'est vraiment le programme de tout Congolais. Même s'il est d'une autre église, d'une autre confession, invite-le, dis-lui, si tu es Congolais, viens, on va prier d'abord, après on va discuter après. Viens d'abord qu'on prie pour le pays. Alléluia, le reste là, on va savoir après. Rapidement, lève juste la main. Demande toi-même le nombre d'invitations dont tu as besoin. Si c'est un, si c'est une, si c'est deux, trois, quatre, cinq, ça dépend. Dis toi-même exactement de combien est-ce que tu as besoin. Et on va te remettre cela. Et si vous nous suivez aussi en direct, soyez connectés avec nous le 30 juin. Que vous soyez Congolais, Gabonais, Haïtien, Belge, quel autre pays comme ça. Il y en a plusieurs, vous nous suivez de partout dans le monde. Nous recevons constamment vos prières, constamment vos messages, vos témoignages. Alors ce 30 juin, unissez-vous à nous afin de prier pour notre nation, la RDC. Et si vous êtes Congolais de l'extérieur, de la diaspora, unissez-vous à nous par le live le 30 juin. Nous serons en train de prier pour notre nation. Alléluia. Alléluia. Amen. Et là où la main de l'homme est incapable d'intervenir, la main de Dieu le fera. Là où les mains des hommes seront limitées, les anges de Dieu seront déployés afin de faire le travail. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Tu dis amen comme si tu n'étais pas Congolais. Donne-moi un bon amen que je t'entends. Voilà, là on est d'accord. J'avais l'impression que j'avais une église au Cameroun maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt? Je disais, est-ce que quelqu'un est prêt? Ce matin, je ne sais pas trop comment est-ce que l'on va terminer ce culte. Vraiment, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a des choses extraordinaires qui vont se faire au milieu de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apparemment, tu as oublié ta bouche à la maison. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ce matin qui sont prêts à vivre Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ce matin qui ont soif de Dieu? J'aimerais me rassurer que je suis dans le bon auditoire avant de dire ce que j'ai à dire et de travailler donc comme je peux travailler. Alléluia. Alléluia. Amen. Lève-toi là où tu es maintenant, on va lire les Écritures. Prends avec moi deux rois. Deux rois chapitre 4. Le verset 4 à 6. Deux rois chapitre 4, le verset 4 à 6. Si vous y êtes, vous dites nous y êtes. Hein? Quelqu'un allait dire nous y êtes. Est-ce que vous y êtes? Voilà. Alors, si vous y êtes, dites maintenant nous y sommes. Il y a quelqu'un au fond, il avait déjà dit nous y êtes. Je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Alors, on va lire ensemble. Oui, on y va. Des rois chapitre 4, à partir du 4e verset jusqu'au 6e, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, reprends mon fils, tu es en train de mâcher, d'avaler les mots. Cite bien les mots, on y va. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Yes. Ils lui présentaient les vases
et elle était elle versée. Lorsque les vases furent pleins, il dit à son fils, présente-moi encore un vase. Yes. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Tu peux te rasseoir là où tu es. Ce matin, je suis venu parler à un peuple prophétique. Si donc le peuple prophétique n'est pas là, faites-moi signe afin que j'arrête de parler. Est-ce que le peuple prophétique est là ce matin? Ce matin, j'aimerais te partager un thème dangereux. Loin pour le surnaturel. Alors que je reste dans la série sur l'onction, peut-être ce sera le dernier message sur lequel je veux mettre une pause, à moins que le Seigneur ne me conduise autrement. Mais j'aimerais te parler ce matin de oin pour le surnaturel. Dis avec moi oin pour le surnaturel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première des choses que j'aimerais te faire comprendre, vu que j'étais déjà suffisamment parlé de l'onction, le surnaturel, lui, c'est quoi par contre? Le surnaturel, c'est ce qui va au-delà du naturel. C'est ce qui se trouve au-delà des lois du naturel. C'est ce qui se brise les lois du naturel. Lorsque vous êtes dans le naturel, il y a des lois. Il y a des principes. Il y a des lois comme la poussée. Il y a des lois comme la thermodynamique. Il y a des lois, il y a plusieurs autres lois. Comme la pesanteur. Tout cela sont des lois qui régissent notre naturel. Il y a des lois comme celle d'Avogadro. Si je ne me trompe. Où il dit rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Alléluia. Ça, ce sont les lois du naturel. Où l'on t'explique que rien ne se perd, rien ne se crée. C'est-à-dire que dans le naturel, il y a une impossibilité de création. Il n'y a qu'une possibilité de transformation. Alléluia. Alléluia. Mais si tout se transforme, tout ce qui est là peut se transformer. Et depuis que tu es à l'école, on t'enseigne les lois de la vie. Et nous grandissons en apprenant et en même en subissant les lois de la vie. Vous avez des problèmes avec les lois. C'est que même si tu ne les connais pas, tu vas quand même les subir. Si un enfant ne connaît pas la loi de la pesanteur, et qu'il va sur le toit de leur maison et qu'il a envie de voler comme il a vu dans le film, il va subir la loi de la pesanteur même s'il ne la connaissait pas. Parce qu'au lieu de voler, il va tomber. Qui m'a donné le plus grand amen? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dans le naturel, tu peux subir des lois même si tu ne les connais pas. Baisse de quatre gars. Tu vas subir des lois même si tu ne les maîtrises pas. Même si tu ne les connais pas. Parce qu'elles sont là et elles existent déjà. Tu n'y peux rien. Tu ne peux rien y changer. Et maintenant, quel est le lien entre ce que je dis et l'onction? Parce que l'onction, elle a la capacité d'opérer dans trois dimensions. Je disais l'onction, elle a la capacité d'opérer dans trois dimensions. Il existe trois dimensions de l'onction. Vous en trouverez peut-être d'autres, mais je vais énumérer trois par rapport à ce contexte. Lorsque Dieu voit un homme, ce que vous devez savoir, c'est qu'au départ, l'onction elle-même, elle n'est pas naturelle. L'onction elle-même, elle n'est pas physique. L'onction elle-même, elle est d'abord surnaturelle. L'onction n'est pas de ce monde. Elle vient du monde invisible. Elle est surnaturelle car elle vient de Dieu. Mais lorsque lui il vient sur un homme ou sur une femme, cette huile peut venir sur lui. Bien qu'étant surnaturelle, mais elle reste dans le domaine du naturel. Parce que la première dimension de l'onction, c'est qu'elle te permet simplement de faire très bien des choses naturelles.
donne juste la capacité de très bien faire des choses naturelles. Si tu chantes, elle te donne la capacité de très bien chanter. Chanter est naturel. L'onction vient te donner la capacité de très bien le faire. Si tu es dans les affaires, l'onction vient sur toi. Elle te donne la capacité de très bien maîtriser le domaine des affaires et de très bien y fonctionner. Alléluia. Est-ce que jusque là tu es avec moi? Maintenant la deuxième dimension, c'est que lorsque l'onction peut venir sur toi, elle te rencontre dans le domaine naturel où tu fais des choses naturelles, mais elle donne une impulsion surnaturelle à ce que tu fais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu chantes, mais l'onction vient et elle donne une impulsion surnaturelle où ta musique est suivie partout et écoutée partout. L'onction vient, elle donne une impulsion surnaturelle où en l'espace de quelques instants ton business est en train d'exploser. C'est toujours dans le domaine du naturel, mais avec une impulsion surnaturelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? Que tu fais le business, mais l'onction donne une impulsion surnaturelle. Elle t'emmène beaucoup de clients. Avoir les clients, c'est naturel, mais la quantité des clients là, c'est ça qui est surnaturel. Alors ce n'est qu'une impulsion qu'elle accorde à ce que tu fais qui est naturel. Alléluia. Amen. Elle peut venir sur toi. Tu es architecte. Mais lorsqu'elle vient sur toi, elle te donne des inspirations que les autres n'ont pas encore eues. Elle donne une impulsion surnaturelle à ce que tu fais qui est naturel. Tes plans ne vont pas devenir surnaturels. Tes plans sont restés naturels, mais avec une certaine impulsion surnaturelle, avec une force surnaturelle qui les provoque et qui est à l'origine de cela. Laisse encore un peu. Dis avec moi, avance prophète. Voilà pourquoi il ne faudrait pas le volume plutôt. Il ne faudrait pas que tu travailles comme chrétien dans un domaine sans l'impulsion surnaturelle de l'onction. Je suis en train de prier que peu importe le domaine dans lequel tu travailles, que l'onction vienne y ajouter une impulsion surnaturelle au nom de Jésus. Je disais que l'onction vienne y ajouter une impulsion surnaturelle au nom de Jésus. Alléluia. Je peux vendre les beignets, mais il suffit que l'impulsion surnaturelle de l'onction viennent. On va voir des véhicules et de véhicules s'arrêter pour acheter le petit beignet que je suis en train de vendre. On avait une dame pareille dans le quartier. À l'arrêt Massangamil. Cette maman, je ne sais même plus comment elle l'appelait. Je ne sais pas si elle était chrétienne, si elle avait des fétiches, je ne sais pas. Si tu es comme quoi, Christ, en tout cas, je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas. Si tu es, c'est badanganya situé. Cette dame ne faisait rien d'extraordinaire. Elle n'avait que sa casserole, sa farine, et elle préparait les beignets. Il n'y avait pas de bâtiment. C'était à l'extérieur, comme on voit les gens vendre à l'extérieur. Elle n'était pas la seule qui vendait les beignets. Il y en avait plusieurs. Mais quelque chose était étrange. C'est que si tu arrives là-bas, tu vois les jeeps qui sont parqués. Tu vas te poser la question, il y a un meeting, il y a quelque chose, il y a une salle de fête à côté. Et quand tu vas tourner, tu vas te rendre compte qu'il y a juste une maman qui prépare des beignets. Et toutes ces personnes-là sont en train d'attendre les beignets à la moine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme on dit, nous on dit à la moine. Normalement c'est le beurre d'arachide. Nous on dit à la moine. Kinda kinda. Ah voilà. Kinda kinda. C'est tout. Niote. C'est tout. Niote. Frère.
Je me rappelle les gens commencent à dire non. Elle mettait sa morve dedans. Le Congolais, on invente toujours des choses. Non, elle met sa sueur dedans. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui viennent comme ça. Comment on a toujours tout entendu? C'est pour cela que moi j'ai dit, bon, moi je ne sais pas en tout cas. À l'époque, Dieu ne me parlait pas encore autant. Sinon, je lui aurais posé la question à l'époque, mais je ne sais pas. Mais il y avait une file de personnes pour acheter quelque chose de très naturel. Mais il semblait y avoir une impulsion surnaturelle à ce que cette dame faisait. Les qualités et la quantité de véhicules que tu allais trouver devant. Même toi dans ta boutique d'habillement, il n'y a pas autant de véhicules. Même toi dans ton bureau, il n'y a pas autant de véhicules. Mais il y a des gens qui venaient juste acheter les véhicules. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu fais. Si tu n'y n'y mais je suis en train de déclarer la sur la vie de quelqu'un que Dieu mette une impulsion surnaturelle à ce que tu fais. Voilà pourquoi je n'aime pas les gens qui ne font rien dans la vie. Parce qu'il faut donner à Dieu quelque chose là où il va mettre une impulsion. La Bible déclare l'Éternel bénira l'œuvre de tes mains. Maintenant toi tu ne fais rien. Tu veux que Dieu bénisse quoi? Regarde le voisin, dis-lui commence à faire quelque chose. Ouais, tu peux fendre des beignets mais avec onction. C'est la même farine, c'est la même huile, c'est la même levure. Mais les gens viennent chez toi, on dirait qu'il y avait meeting politique. Je décrète et je déclare que dans le domaine dans lequel tu es, que ce soit le commerce, que ce soit où tu rends des services, que des gens viennent à toi plutôt que d'aller aux autres dans le nom puissant de Jésus. Que les gens te posent la question, mais qu'est-ce que toi tu as fait pour que tout ce monde ne vienne que vers toi? Parce qu'il y a une chose que l'onction fait, c'est que l'onction attire. L'onction elle attire. Et parfois l'impulsion surnaturelle que donne l'onction, c'est qu'elle se met à attirer des gens qui n'étaient normalement pas supposés venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prie que dans tes études il y a une impulsion surnaturelle. Tu as à toi étudier. Tu as copé le cahier si tu veux. Mais là où le professeur avait mis le piège de quelque chose qu'il n'avait pas bien expliqué, c'est là que l'impulsion surnaturelle va entrer pour te faire comprendre, te faire saisir ce que le professeur n'avait pas bien dit et aller même au-delà de ce que lui elle pensait que tu allais dire. Je prie que l'onction te donne de surprendre tes professeurs, qu'elle fasse de toi le meilleur et la meilleure dans ton académie, dans ta faculté, dans le nom puissant de Jésus qui m'a donné le plus grand amen. C'est la deuxième dimension. Elle donne juste une impulsion surnaturelle. Mais il y a maintenant la troisième dimension. La troisième dimension de l'onction, c'est l'onction du surnaturel. Vous n'avez pas bien dit amen. La troisième dimension de l'onction, elle ne vient pas avec une impulsion, mais elle reste complètement et totalement dans le domaine du surnaturel. C'est une onction qui te voit faire le business. Elle ne vient pas attirer des gens, même sans que les gens ne viennent. On ne comprend pas comment est-ce que ton business est en train de grandir. Et toi-même tu ne comprends pas les comptes que tu es en train de voir. C'est une onction qui elle reste dans le domaine du surnaturel. Elle ne rentre jamais en dessous de la limite du surnaturel. Elle reste toujours au-delà. Il y a des hommes et des femmes qui ont l'onction qui leur permettent de faire très bien des choses naturelles. Il y a des gens numéro 2 qui ont l'onction qui donnent une impulsion surnaturelle à ce qu'ils font. Mais il y a aussi des gens qui sont moins pour le surnaturel. Leur onction a un mandat particulier de travailler constamment dans le domaine du surnaturel. Lorsque cette onction s'active dans ta vie, elle
créer la controverse autour de toi. L'onction du surnaturel, c'est une onction qui crée la controverse. C'est-à-dire, elle crée des les gens n'arrivent plus à se situer. Les gens se posent la question. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une onction qui crée la controverse? Parce que l'on n'arrive pas à saisir l'origine de ce succès-là. On n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'un tel miracle est possible. On n'arrive pas à comprendre comment est-ce que ça s'est fait. Quand Dieu te donne une impulsion surnaturelle à quelque chose de naturel, les gens peuvent comprendre. C'est normal, il a eu beaucoup de clients ces temps-ci. Mais c'est surnaturellement que Dieu te les a accordés. Mais lorsque Dieu veut te bénir financièrement, au travers l'onction du surnaturel, il n'a pas besoin d'une méthode naturelle. L'onction du surnaturel est une onction qui n'utilise pas les méthodes naturelles, mais qui reste dans les méthodes surnaturelles. Frères et sœurs, dans les problèmes que nous avons, Dieu les règle soit naturellement, soit surnaturellement. Parce qu'il y a des problèmes qui parfois ne nécessitent pas le surnaturel. N'est-ce pas? Tu as un petit échec, tu pries, tu vas faire ton recours, tu fais le recours, on te donne de refaire l'examen, tu repasses l'examen et tu réussis. C'est un problème qui n'a pas nécessité le surnaturel. C'est vrai, peut-être que la main de Dieu était étendue, mais Dieu a utilisé des méthodes naturelles pour te visiter. Tu as besoin d'argent, alors Dieu suscite quelqu'un quelque part qui vient et qui te donne l'argent. C'est Dieu qui a agi, mais il a utilisé une méthode naturelle. Mais il y a maintenant des dimensions. L'onction du surnaturel, elle, n'utilise pas les méthodes naturelles. C'est-à-dire, quelqu'un a échoué, au lieu qu'elle vienne juste lui permettre de refaire l'examen et de recommencer, elle va changer les points. Au lieu que elle lui amène juste des clients, qu'il travaille pendant une année, comme ça il atteindra 1 million. Elle vient, elle apporte 1 million. Je parle de quoi? Tu peux être malade, tu as un peu de fièvre, tu pries. Et comme tu sais bien le faire, après tu prends la paracétamol. N'est-ce pas? Tu es malade, tu vas à l'hôpital, les médecins te soignent, mais au final c'est qui guérit? C'est Dieu qui guérit. Parce qu'il y a des gens qui ont eu le même traitement que toi, mais qui n'ont pas été guéris. Donc c'est toujours Dieu qui guérit, mais il a guéri par une méthode naturelle. Alléluia. Amen. Je peux être malade, je vais à l'hôpital, j'ai prié Dieu, c'est Dieu qui va me guérir. Les médecins ne vont faire que me soigner. Parce qu'il y a des gens qui ont eu le même traitement, et même plus que le traitement là, mais qui sont quand même morts. Ça ne les a pas quand même pas aidés. Il y a des gens qui ont eu la même maladie que moi, qui était impossible à guérir, mais moi avec les mêmes médicaments j'ai été guéri. Ça veut dire que tu es passé par le naturel. Quelqu'un a dit, le hasard, c'est lorsque Dieu passe par le naturel pour visiter un homme. Il a dit, le hasard, c'est lorsque Dieu passe incognito pour visiter quelqu'un. Le matin tu dis, Seigneur, j'ai besoin d'argent, $500, je vais avoir ça ouvert. Tu sors, et puis la journée tu rencontres quelqu'un qui te dit, ah, mais j'ai pensé à toi, comment ça va? Oh, mais tu avais eu un enfant. Oh, je t'offre $500. Toi tu dis, c'est papy qui m'a donné $500. Mais en réalité c'est Dieu qui est passé incognito. C'est Dieu qui est passé sans protocole pour te visiter. C'est ça que les gens appellent soi-disant la chance ou le hasard. Non, ça n'existe pas. C'est Dieu qui passe invisiblement ou incognito pour visiter quelqu'un. Alléluia. Amen. Mais maintenant l'onction du surnaturel, elle ne passe jamais incognito.
Parce que c'est une onction qui aime les évidences. C'est une onction qui aime être remarquée. C'est une onction qui aime être vue. Qui aime être attestée. Pour réussir à donner la gloire à Dieu au final. Parce que quand papy te donne $500, tu risques de dire merci à papy et tu oublies de dire merci à Dieu. Mais si tu n'avais pas les 500 et que tu as tapé le compte bancaire, tu les as vus. Tu ne vas pas dire merci à la banque. Est-ce que je mens? Tu diras automatiquement merci à Dieu. L'onction du surnaturel, c'est lorsque Dieu brise les intermédiaires et te visite directement. Tu as besoin d'une promotion. Tu en parles à quelqu'un. Et à la fin, la personne te dit d'accord. Je vais voir ce que je vais faire. Ils en parlent avec d'autres personnes. Et on te donne la promotion. Ça, c'est Dieu qui passe par des méthodes naturelles pour te visiter. C'est toujours Dieu. Mais il y a aussi la dimension. Tu ne pensais même pas à la promotion. Tu étais juste là. Tu es venu à la terre. Le prophète qui ne travaille pas dans ton bureau, le prophète qui ne travaille pas avec toi, qui n'est même pas ton boss au bureau, il déclare une parole. Tu rentres et le lendemain on t'appelle. On te dit viens travailler, viens avoir la promotion. Qui a fait ça? Ça c'est Dieu qui a utilisé une méthode surnaturelle. Frères et sœurs, que les gens vous disent que Dieu peut utiliser le naturel pour te visiter, c'est vrai. Mais je veux que tu saches aussi que Dieu peut aussi utiliser le surnaturel pour te visiter. Dieu peut aussi sauver Jonas par un bateau. Il peut envoyer un autre bateau qui part à Ninive. Mais il choisit d'envoyer une baleine. Jonas entre dans la baleine. 3 jours et 3 nuits, quand même être capable de respirer, de vivre. Et ensuite le troisième jour, la baleine le fourmille sur le or. Comment est-ce que la baleine savait là où Jonas allait? Lorsque le surnaturel entre en jeu, la question comment commence à se poser. C'est pour cela que Marie a regardé. Elle a dit à l'ange, mais comment cela se fera-t-il? Je n'ai point connu d'homme. Marie, ça c'est les choses du surnaturel. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je disais ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je parle de quoi? Je parle de Jésus. Le soir, il arrive au bord de la mer. Les disciples sont déjà partis. Est-ce qu'il ne veut pas attendre le prochain bateau pour rejoindre les disciples? Mais la Bible déclare il. Je suis sûr qu'il a regardé à gauche. Il a vu personne. Il a marché sur l'eau. Ils l'ont vu marcher sur l'eau. Ils ont dit ça c'est un fantôme. Lorsque l'onction du surnaturel commence à opérer, on peut confondre Dieu à un fantôme. C'est là que les gens commencent à dire c'est la magie. Ah, est-ce que ça c'est pas le cultisme? La puissance de Dieu est au-dessus de la magie. La puissance de Dieu est au-dessus de l'occultisme. La puissance de Dieu est au-dessus de la sorcellerie. Si les sorciers de ta famille être capable de te lier pendant 20 ans. Pourquoi tu ne crois pas que Dieu peut te délier en un jour? Il a terminé l'esclavage de 430 ans en une seule nuit. Sans référendum, sans rien. En une seule, c'est avec moi l'onction du surnaturel. Je parle de quoi? La foule a faim. Est-ce que Jésus ne peut pas prendre l'argent? Il envoie les gens. Il leur dit allez acheter le pain. Venez donner. Allez pêcher le poisson. D'ailleurs, c'était des pêcheurs. Ils emmenaient du poisson à ces gens. Mais ils regardent la foule. Ils demandent qu'est-ce que vous avez. On lui présente 5 pains et 2 poissons. Il prend cela. Il le soulève. Et il rend grâce. Parce que l'on.
onction du surnaturel multipliera tes actions de grâce. Tellement que tu ne feras plus d'efforts pour certaines choses, elle va se charger de multiplier les actions de grâce. Il savait, ici je ne vais rien faire, mais c'est le surnaturel qui va fonctionner. Alors tout ce qui lui restait à faire, c'est de rendre grâce. Il dit: je te bénis. Et c'est fini. Lorsqu'il a fait descendre, il y en avait assez pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Or, dans pareil rassemblement, les femmes et les enfants sont toujours plus nombreux que les hommes. Il n'y a qu'à compter ici à l'église, vous allez vous rendre compte que les femmes sont plus nombreuses. Pourquoi? C'est comme ça, c'est-à-dire il y avait à peu près 12 000 personnes. Et à la fin, on reste encore avec des paniers. Parce que parfois l'onction du surnaturel, quand elle vient, elle ne calcule même pas la quantité de visitation dont tu as besoin. Elle va au-delà de ce dont tu as besoin. Est-ce que tu as déjà vécu ces visitations-là? Tu as besoin de 500 dollars de sang. Tu rencontres aussi quelqu'un qui te donne seulement 100. Il n'a rien, il n'achète rien. Mais lorsque l'onction du surnaturel vient, tu peux avoir besoin de 100, elle te donne 10 000. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je ne sais pas à qui je suis venu parler. Si tu es connu, frères et sœurs, ce qui sort de ma bouche ne sont pas des paroles d'encouragement. Ce sont des oracles et des prophéties sur ta vie. Si tu es capable de les recevoir, tu les souffriras. C'est ça l'onction du surnaturel. Mais Jésus, est-ce que tu as besoin de ce chose? Il ne pouvait pas simplement aller guérir Lazare. Là, il s'assoit, il attend 4 jours. On lui dit: Lazare est mort. Il dit: il attend. Le 4e jour, c'est là qu'il part. On lui dit: mais il sent déjà, il pue déjà. Et dans la tradition juive, on croyait que le 3e jour, c'est le jour où l'esprit sortait complètement et partait. C'est-à-dire, la résurrection devenait totalement impossible. Et lui ne vient pas le 3e, il vient le 4e. Il parle simplement comme s'il était en train d'appeler quelqu'un qui était au coin de l'avenue. Lorsque l'onction du surnaturel entre en jeu, elle fait naturellement des choses surnaturelles. C'est ça la différence entre les deux dernières dimensions de l'onction. La première, elle fait surnaturellement des choses naturelles. C'est-à-dire, c'est des choses naturelles, mais elle le fait surnaturellement. Mais la troisième dimension, elle fait naturellement des choses surnaturelles. Elle fait des choses surnaturelles comme si c'était facile à faire. Je décrète et je déclare que tu vivras désormais naturellement le surnaturel de Dieu. Je dis, tu vivras désormais naturellement le surnaturel de Dieu. Ils sont allés dans les loges la nuit. Ils ont fait des incantations la nuit pour venir le matin au bureau et dominer les gens. Ce matin, je vais te libérer de cette salle avec l'onction du surnaturel. Tu vas arriver demain. On ne comprend pas. Tout le monde est en train de baisser le visage. Il n'arrive pas à te regarder dans les yeux. Ils vont te poser la question: tu étais où? Parce qu'il y a une onction du surnaturel qui va désormais reposer sur ta vie. Après ce coup, ton amen n'est pas arrivé ici. Je disais, ton amen n'est pas arrivé ici. Sa mère vient lui dire: le vin est fini. Si sa mère le dit à Jésus, elle sait que Jésus a l'argent. Il avait une fonction, il était charpentier comme son père. Il n'avait pas encore commencé le ministère. C'est-à-dire que Marie peut-être parle d'argent. Peut-être que Marie est en train de lui dire: prends l'argent, envoie un peu de gens, qu'on apporte du vin. Peut-être que c'est ce que Marie pensait. Mais Jésus, est-ce que tu ne peux pas prendre de l'argent? On voyait qu'on achète le vin. Il s'agit ici d'Israël. Le vin fait partie des
poisson principal. C'est-à-dire il y en a partout. Les gens buvaient le vin comme on boit de l'eau. Parce que parfois l'eau était sale, c'était difficile à purifier. Mais Jésus regarde. Il a emmené les vases là. Tout ce qui sert à la purification, la venez avec. Remplissez-les. Et allez servir. Mais tu n'as pas prié Jésus. Parfois l'onction du surnaturel ne se cache pas dans la prière mais dans l'instruction. Parfois l'onction du surnaturel ne se cache pas dans la prière mais dans l'instruction. Tu sais maintenant ton problème en toi, c'est que tant que tu n'as pas vu le prophète faire ratatatata, tu ne crois pas. Si je t'avais dit prends l'eau, va servir. Toi tu allais te dire mais lui on lui a demandé le vin, il y a zopé sa vision maï pena. Tel va prophète Jésus. Ok, c'est ma tournée l'homme mon fils on a tout parti à maï angalia baba nabi. Ils ont donc faim. Si tu connais ta fête. Ils ont donc tiens. Yann combien maï. Cher, on passe trouver d'abord une autre solution. Tendez que ta fête ne soit. C'est ce que tu aurais fait. Tu es un gelfanyaka. Parce que tu n'aurais pas compris le langage prophétique. C'est pour que Dieu ouvre ton intelligence. Afin que tu comprennes le langage prophétique. Le prophète te dit Dieu est au contrôle. Toi tu pars, tu commences encore à te battre. Le prophète t'a dit Dieu est au contrôle. Assieds-toi et observe maintenant Dieu. Je ne parle, la personne à qui je parle n'est pas venue. Je vous dis la vérité, elle n'est pas venue. Alléluia. Amen. Je suis en train de prier ce matin que Dieu commence à faire naturellement des choses surnaturelles dans ta vie. Naturellement, avec facilité, des choses que les gens ne comprendront pas, que Dieu t'utilise afin de marcher naturellement dans le surnaturel. Père, j'aime tes méthodes naturelles, mais je veux tes méthodes surnaturelles. Lorsque les gens disent, c'est parce qu'ils sont habitués aux méthodes naturelles de Dieu. Parce que lorsque Dieu utilise les méthodes naturelles, ça peut prendre du temps. Mais le jour où tu rencontres le Dieu du surnaturel, le problème est devenu grave à 7h. À 7h05, le problème est fini. Oh, sois patient, ça va prendre un peu de temps. Oui, c'est vrai, Dieu agit souvent comme ça. Mais le même Dieu, il est celui qui fait aussi naturellement des choses surnaturelles. Le monde ne veut pas que tu croies à un Dieu capable de tout. Je vais te dire la vérité. Satan ne veut pas que tu croies que ton Dieu est vivant, mais qu'il est capable de tout faire. Il ne veut pas. Il veut que tu t'habitues à des choses naturelles. Il veut que tu t'habitues, que ta foi diminue et que tu aies beaucoup de logique dans la tête sans résultat, beaucoup de principes dans la tête sans résultat. Mais ce matin, moi je suis venu te dire, le Jésus que je te prêche, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Et il va le faire tout à l'heure dans ta vie. Je dis dans le nom de Jésus. Je disais dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare que le ciel soit déchiré sur ta tête afin que tu marches naturellement dans le surnaturel. Ouais. Il y a des gens qui marche avec Dieu naturellement. Mais il y a sur cette terre des gens que Dieu a oint pour les choses surnaturelles. Il
il y a sur cette chair, des gens que tu as oint pour opérer et pour vivre des choses surnaturelles. Il entre chez toi à la maison, tu lui dis j'ai besoin de 500 dollars, de 1000, de 3000 dollars. Toi tu attends qu'il te donne l'argent parce que tu penses qu'il en a, parce que c'est le prophète, mais il te regarde comme Pierre, il te dit je n'ai ni or ni argent. Les choses naturelles je n'en ai pas, mais il y a dans mon ADN, il y a à l'intérieur de moi des choses surnaturelles. Ce que j'ai, je te le donne. Frère, s'il y a des choses surnaturelles en moi ce matin, je déclare qu'elles deviennent à toi dans le nom de Jésus. Il y a des choses pour lesquelles tu dois travailler 10 ans, 15 ans, 20 ans avant que l'on ne te reconnaisse dans ce domaine-là. Mais en un jour, je peux le faire pour toi. La nation d'Israël est une nation qui elle-même est née surnaturellement. C'est comme ça que Esaïe dit, une nation peut-elle naître en un jour? L'État d'Israël n'était pas reconnu. Il n'y avait rien. Mais il ne connaissait pas que le Dieu d'Israël était le Dieu du surnaturel. En un jour, la nation d'Israël a été née, les traités ont été signés, tout a été fait. Parce qu'il fallait que s'accomplisse la prophétie d'Esaïe. Esaïe était un prophète du surnaturel. Il était capable d'avoir le courage de dire une vierge enfantera. Comment? Comment? Ce n'était pas un prophète du naturel. C'était un prophète du surnaturel. Peut-être que tu ne le sais pas, mais dans cette maison, il y a un prophète du surnaturel. Mais c'est toi qui ne le sais pas. Alors tu viens chercher des choses naturelles chez moi, mais tu ne les trouves pas. Tu viens prendre des choses naturelles, tu vois qu'il n'y en a pas. Fais-moi entrer dans le surnaturel. Laisse-moi tes histoires-là. N'emmène pas mon onction dans ce domaine pour lequel je n'ai pas été loin. Mais emmène-moi dans les choses surnaturelles. Je décrète et je déclare que le ciel se déchire et qu'une huile surnaturelle accompagne tes affaires, ton travail, ton business et ton ministère, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, une telle vitesse dans le ministère. Toi tu penses que c'est naturel, c'est surnaturel. Mais toi tu te concentres sur des choses naturelles. Tu viens chercher des choses naturelles. Arrête. Il y a l'onction du surnaturel. Elle est capable de te donner quelque chose de naturel, mais elle le donne surnaturellement. Dieu peut te donner un mari naturellement. Tu rencontres quelqu'un, quand dans les films tu comptes ce livre, les livres tombent, tu portes et ensuite une année, deux ans, trois ans, quatre ans, et puis cinquième année de crise et sixième année de complications, septième année finalement vous êtes mariés. On vient ici, on vous bénit, on dit gloire au Dieu, parce que c'est le Seigneur. Mais le même Dieu est capable de faire en sorte que tu sortes d'ici. Tu rencontres quelqu'un qui dit c'est toi Charlène, c'est toi Charlène, c'est toi Cynthia, mets ton nom, c'est toi qui c'est toi Joël. Oh, elle dit je viens du Canada. Atoka Canada. Je m'a parlé de toi. Il m'a dit d'aller à la Terre Sainte. Il a dit que j'allais te rencontrer. Tu es la femme de ma vie. Arrête tes histoires là de dire je vais réfléchir, je vais te taper. Acha yo mambo kusema ndawaza ndakuzibula. Tu as déjà fait les choses surnaturellement. Toi tu veux faire entrer les réflexions naturelles. Non, on dit seulement oui, on se marie quand? Demain soir, est-ce que le prophète est disponible? Alors, tu lui dis, je vais parler avec papa, c'est mon papa, il va comprendre. Na se manda ongea ni baba yangu. Oh.
ton amen n'est pas arrivé ici. Je décrète et je déclare que le surnaturel entre en jeu dans ta vie afin de te donner des choses que ta sueur ne t'a pas données. Tu t'es battu, c'est vrai. Tu as travaillé, c'est vrai. Mais ce matin, il y a l'onction du surnaturel qui vient pour te donner le repos. Amen. Il y avait un nom. Il était ouin pour le surnaturel. Je n'aurai pas le temps de parler de lui. Longtemps. Il s'appelle Élisée. 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 Il était ouin pour le surnaturel. La première chose que lui il a fait dans le ministère, c'est de soulever le manteau de son père. Il de frapper les eaux. Les eaux se divisent. Et il passe. Là où Josué a eu besoin de l'arche, Moïse a eu besoin du bâton. Lui, le manteau de son père était suffisant. Parce que souvent l'onction du surnaturel, elle te fera d'abord marcher sur les traces de ton père avant que tu l'écrives ton histoire. Lorsqu'il entre, des choses commencent à se passer. On lui dit la ville a un problème parce que l'eau est amère. Il ne dit pas on va installer la régie des eaux, mais la Bible déclare qu'il demande qu'on lui apporte du sel. Il prend le sel, il verse dans l'eau et les gens boivent l'eau. La rivière est devenue pure. Je comprendrai si il purifiait un lac, s'il purifiait une piscine. Mais comment il peut purifier quelque chose qui a une source qui continue de couler constamment? Le sel est venu faire quoi là-bas? Le surnaturel peut utiliser des choses naturelles mais surnaturellement. Ton amen n'arrive pas ici. La Bible déclare qu'il est en route. Les enfants se mettent à se moquer de lui. Monte chauve. Déclare qu'il est maudit. Il ne précise rien dans sa malédiction. N'est-ce pas qu'il y a des gens quand tu le maudis? C'est dans 20 ans. Tu vas se rendre compte que son business ne fonctionne pas. Mais ça, c'est pas Élisée. Il est dans l'onction du surnaturel. Les histoires de dans 20 ans, ça n'existe pas. Les histoires de tu vas voir demain après demain dans. Non. La Bible dit que deux ours sont sortis de la forêt. On n'avait jamais entendu parler d'ours là-bas. Deux ours sortent de nulle part et partent se mettre à déchirer près de 46 enfants, si je ne me trompe. Ne touche jamais à la vie de quelqu'un qui opère dans le surnaturel. Parce que la malédiction qui sort de lui n'est pas comme toutes les malédictions. Tu vas toucher à lui, tu ne commandes pas le lendemain, on te dit non, simplement le travail est fini, mais on te ravit la maison. Tu te poses la question, quel rapport? Tu n'arrives pas à comprendre. Utamgusa kesho uteloba na kwambia kazi naisha na banakunyanga ya nyumba mbafu najiuliza vinapatania wapi. Il existe une onction pour le surnaturel capable de créer des sources, les emmener pour régler le problème que tu as. Je prie que l'onction du surnaturel ce matin crée quelque chose qui n'existait pas et la fasse entrer dans ta vie avec la mission de résoudre tous les problèmes. Alléluia. Une veuve vient pleurer chez lui, c'est l'histoire qu'on a lue. C'est suffisant. Écoute-moi. L'onction du surnaturel ne regarde pas ce que tu n'as pas. Elle regarde seulement ce que tu as. Ce que tu n'as pas n'est pas le problème. Regarde le voisin, dis-lui ce que tu n'as pas n'est pas un problème. Mais qu'est-ce que tu as? Ce que tu as là seulement, présente ça à l'onction du surnaturel. Présente ça au Dieu du surnaturel. Tu commences à verser. Elle verse, l'huile ne s'arrête pas. Elle verse, elle verse.
Quand les vases sont terminés, l'huile s'arrête. Ton problème à toi, c'est que tu penses que l'onction d'un homme de Dieu est terminée parce que tu ne vois plus l'huile coller. Alors que c'est ton vase à toi qui est rempli. Il y a des gens parfois tu regardes l'homme de Dieu, ah maintenant il ne fait pas, ne fait plus certaines choses. C'est parce que ton vase à toi est rempli, pas parce que lui il est terminé. Mais présente encore un autre vase, tu vas voir. Présente seulement un autre vase. Et tu vas voir des choses que tu n'allais. Une femme l'accueille chez lui. Une femme mariée l'accueille chez lui. Il reste là pendant plusieurs jours. Un moment, il demande à Géasi, il dit Géasi, mais viens. Mais cette femme nous a fait trop de bien. On fait quoi pour elle? Tu fais quoi? Esaïe, c'est Géasi. Il connaît son maître. Il ne lui dit pas donne-lui de l'argent. Non, non. Il connaît l'onction de son père. Il dit Baba. Depuis qu'on est ici, j'ai remarqué que cette femme n'a pas d'enfant. Mais Géasi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que je suis Dieu? Non, Géasi sait. Il sait de quoi son père est capable. Il dit cette femme, depuis qu'on est ici, tu es au vanda. Élisée lui dit d'accord, va l'appeler. Aussi simple que ça. Élisée ne dit pas attends, je vais prier d'abord. Comme ça on va prier que Dieu lui donne un enfant. Élisée dit non, va l'appeler. La femme vient. Vas-y maman. L'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Ma femme n'a jamais été en contact avec l'onction du surnaturel. Elle regarde l'homme de Dieu et lui dit ah, ne me mens pas, s'il te plaît. Tout ce que je fais pour toi, c'est avec bonté de cœur. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Ne me mens pas. Ton bon ma relation, ton bon ma relation, tu n'as pas prophétie à l'oukouta. Frère. Ce n'est pas que c'est la prophétie est fausse. Elle est accompagnée d'une action du surnaturel. L'année prochaine, elle a un enfant. Elle est en train d'allaiter. L'enfant atteint 12 ans. Quelques années plus tard, l'enfant meurt. Le problème, c'est qu'elle connaissait déjà l'onction du surnaturel. Si avant elle ne croyait pas, maintenant elle croit. Tu sais maintenant toi ton problème c'est quoi? C'est que malgré que tu as vu l'enfant, tu ne continues toujours pas, tu ne commences toujours pas à croire. Malgré que tu as vu tout ce que Dieu a déjà fait dans ta vie, tu n'arrives toujours pas à croire. Son mari lui demande est-ce que tout va bien? Il dit oui, tout va bien. Elle va chercher l'homme de Dieu. Elle vient chez l'homme de Dieu, elle se jette à ses pieds. L'homme de Dieu la regarde, il dit hey, Dieu m'a caché que cette femme est dans la souffrance. Ce n'est pas parce que Dieu m'a caché que tu souffres que je n'ai pas la capacité de régler le problème. Ce n'est pas parce que je n'ai pas prophétisé ton problème que je n'ai pas la capacité de le régler. Même si Dieu lui avait caché que cette femme, son fils venait de mourir, il avait quand même la solution. Ton problème à toi, tu viens à l'église, tu vois Daddy ne t'a pas appelé, tu dis ah, il n'y a pas de solution. Qui t'a dit que parce que les yeux n'ont pas vu que les mains seront incapables? Élisée, les yeux pouvaient ne pas voir, mais sa parole avait toujours de l'effet. C'est l'onction du surnaturel. Il n'était pas loin pour voir les choses. Il était loin pour faire les choses. Il va dans la chambre. Il monte sur l'enfant. Et l'enfant ressuscite. Il remet l'enfant à la mère. Un jour, il y a quelqu'un, un général. Il a la lèpre. Il y a une esclave chez eux à la maison. Elle est israélite. Elle dit à sa maîtresse. Elle dit maman, si papa était en Israël,
La lèpre ici serait partie depuis longtemps. Parce que là-bas, il y a un prophète qui a l'onction du surnaturel. Oh. Le roi fait une lettre. Le général parle à son roi, le roi fait une lettre au roi d'Israël. Ils emmènent la lettre au roi d'Israël. Ils disent, roi, je t'envoie Naaman afin que tu le guérisses. Le roi déchire les vêtements. Il fait la guerre, il commence à créer des raisons. Est-ce que moi je peux guérir la lèpre? Regardez-moi ce roi de Syrie. Ton problème, c'est que tu as emmené un problème chez quelqu'un qui n'a pas l'onction du surnaturel. Il a aussi l'onction, mais l'onction royale. Même ça chez quelqu'un qui a l'onction. Élisée entend parler de l'histoire. Il dit, dit au roi, mais pourquoi est-ce qu'il a déchiré ses vêtements? Il envoie cette personne ici, il va voir. L'onction du surnaturel est une onction de défi. Et on saura en Israël, il y a un prophète. Naaman vient. Au lieu qu'il aille le voir, il ne le voit même pas. Il envoie le serviteur. Il va lui dire de se jeter sept fois dans le Jourdain. Naaman commence à moi, ce sont les piscines que j'ai laissées. En Syrie, il y a des meilleurs fleuves. Avec l'argent que moi j'ai, que j'entre dans le Jourdain. Qu'est-ce que je dis? Parfois, l'onction du surnaturel ne se cache pas dans la prière, mais dans l'obéissance à l'instruction prophétique. Son serviteur le regarde, il lui dit, si le prophète t'avait demandé de lui donner, je ne sais pas moi quoi, tu lui aurais donné. Il t'a juste dit, jette-toi dans l'eau cette fois. Essaye seulement, on ne sait jamais. Regarde le voisin, il lui a dit, Bimadou Abadjouak. Regarde le voisin, il lui dit, Mekakaka. On m'a dit, Bimadou. Mekakaka. Bana Bimakatu. Il se jette la première fois, rien. Deuxième, septième fois, il sort, il n'y a plus une trace de l'air. Je ne sais pas combien de fois tu es venu dans cette église, mais je déclare que ce soir, ce matin, pour toi, c'est la septième fois. Je disais ce matin pour toi, c'est la septième fois. Je ne sais pas combien de fois tu es entré dans cette église, mais je suis en train de dire que ce matin, hein, c'est la septième fois. Quand tu vas sortir, la lèpre que tu avais, il n'y en aura plus. Le problème que tu avais, il n'y en aura plus. La pauvreté que tu avais, il n'y en aura plus. Je ne sais pas ça fait combien de temps, ça fait combien d'années, mais ce matin je te dis que c'est la septième fois. Que tu es entré dans le Jourdain, le Jourdain de la présence de Dieu. Quand tu vas sortir aujourd'hui, tu vas sortir avec un chant d'allégresse dans la bouche. Je dis c'est la septième fois ce matin. Je prophétise, je décrète et déclare cela sur les 47 personnes qui sont dans cette parole. Je décrète et déclare que ce matin pour vous, c'est la matinée de la septième fois. Vous allez vivre la main de Dieu, expérimenter la main de Dieu au-delà de ce que vous avez imaginé. Ce que tu as attendu longtemps, ce que tu as longtemps prié, mais rien ne se faisait. Regarde comment tu reçois cela assis. Je déclare que ce matin, pour toi, c'est la septième fois. Tu sortiras, il n'y a plus aucune trace. Si l'onction de Dieu est sur moi, que dis-je, puisque l'onction de Dieu est sur moi, et que cette onction, c'est une onction du surnaturel, je décrète et déclare, tu sortiras de ce lieu, le problème ne t'accompagnera plus. Ce qui t'accompagnera désormais, c'est le bonheur et la grâce. Si ce n'est pas le bonheur et la grâce, ça n'a pas l'autorisation de t'accompagner. Mon Dieu, c'est avec moi l'onction du surnaturel. Oh, je clôture mon message. C'est avec moi l'onction du surnaturel. Ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que tu as dans ton cœur. Moi, je suis venu te dire, Dieu va le résoudre surnaturellement. Dieu va le faire surnaturellement.
Dieu va laisser les méthodes naturelles. Dieu va utiliser les méthodes surnaturelles. Oh mon Dieu, il y avait un homme, il s'appelait Saint Patrick. Saint Patrick, il arrive en Islande. Un serpent avait mordu quelqu'un. Il prie pour la personne est guérie. Et ensuite il regarde. Il dit tous les serpents. Je vous chasse du pays. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de serpent là-bas. L'onction du surnaturel. Frères et sœurs, je décrète et déclare que l'onction du surnaturel vienne chasser pour toujours ce qui a longtemps traîné dans ta vie. Un roi l'appelle. Le roi lui dit: ma fille est morte. Quand il arrive, il trouve le roi en deuil, ça fait un mois. Sa fille est mort. Le roi n'arrive jamais à aller bien. Il pleure. Saint Patrick dit: mais roi, pourquoi tu pleures depuis? Saint Patrick dit: ma fille est morte. Ça fait maintenant un mois. Saint Patrick lui dit: d'accord, il n'y a pas de problème. Où est Satan? Ça, je ne te parle pas de la Bible, je te parle de l'histoire. Parce que toi, tu penses que ça s'est arrêté avec Pierre. Il dit: où est Satan? On l'emmène à la tombe. Il arrive à la tombe. Il prend quelque chose pour écrire. Et il écrit sur la tombe: Saint Patrick. Il dit: ouvrez la tombe. Il ouvre la tombe. On fait sortir la fille vivante. Écoute-moi. N'est-ce qu'il y a des résurrections de un jour, il y a aussi des résurrections de un mois. Mais la Bible déclare les morts en Christ ressusciteront. Donc même ceux qui sont morts il y a 100 ans. Donc même ceux qui sont morts il y a 1000 ans. Qui t'avait fait croire qu'il y avait une limite? Il n'y en a pas. Le problème c'est la qualité et la quantité de foi. Frère, Doko, on l'a appelé. Un cheval avait été tué. Cheval moi il oui. Par erreur. Par course. On l'a appelé, il est arrivé. Il a posé la main. Akatiam code. Et le cheval est ressuscité. Na cheval kafufuka. Quelqu'un dit: ah, t'as dit l'onction du surnaturel est une onction de controverse. Ou pas quoi ya mambo si on kakaweta ni ou pas quoi ya ouvanga. Quand il commence à travailler, les gens disent: mais pourquoi? Mais comment? Notre Dieu est un Dieu de controverse. Notre Dieu, quand les gens n'arrivent pas à croire en lui, il finit par les confondre par des choses compliquées. Je confondrai les sages. Je confondrai les intelligents. Mais comment Dieu confond les sages et les intelligents? C'est par l'onction du surnaturel. Il confond la science. Il confond l'intelligence. Les gens n'arrivent plus à comprendre. William Marion Branham était allé à la chasse. Et depuis qu'il était en train de chasser, parce qu'il aimait chasser. Il chassait, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'animal. Il avait l'habitude de chasser les écureuils. Il n'y en avait pas. Jusqu'à ce qu'à un moment, il s'est fâché. Il a dit que l'écureuil soit. Mais l'écureuil fut. Il a tiré, il a pris l'écureuil. Frère, Dogo, je ne sais pas à quelle onction tu as été habitué. Mais je t'annonce qu'on entre dans une saison d'onction du surnaturel. Je disais, on entre dans une saison d'onction du surnaturel. Oh, le Dieu qui révélait les plans des Syriens qu'il faisait dans la chambre et venait le dire à l'homme de Dieu. C'est le Dieu qui va te révéler même les questions de l'examen. Parle de l'onction du surnaturel. Frère, Dogo, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? J'ai vu cette chose là maintenant. Ok. Ne le limite maintenant pas. Au septième, il passe. Laisse-le choisir lui-même la méthode. Et tu vas voir. Élie a faim. Au lieu d'envoyer des gens le nourrir, il envoie les corbeaux lui donner la nourriture. Je sens qu'il y a quelqu'un qui va rentrer à la maison. Il va rencontrer un chat. Comme toi, tu as toujours peur des chats. Il va rencontrer un chat avec des diamants dans la bouche pour lui. Alléluia.
I receive. Seulement comme on t'avait appris, hey, le chat, il faut faire attention. La question des esprits impurs. De la même manière, le corbeau aussi était un animal impur. Je vis les le corbeau. Non, mais la camada qui venir apporter la nourriture. J'ai accoulé à Tchako. Quand le surnaturel fonctionne, elle ne tient plus compte des lois de la nature et des lois spirituelles et des lois physiques. Ça brise toutes les lois. Wakati mambo shoka kawaida na tumike na funja ma sheria yote. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je me comme tu m'as souviens. Quelle est cette maladie qui t'a dérangé depuis des années? Tu allais à l'hôpital encore et encore. Les médecins t'ont dit que c'est impossible. Moi je t'annonce ce matin que cette maladie sera en train de partir dans un instant. Je déclare à cela de partir au nom de Jésus. Qui t'avait dit que ton père mourra du diabète? Moi je te dis aujourd'hui, rentre à la maison. Je dis papa, il y a l'onction du surnaturel, c'est Sur moi. Avant que ça ne parte, laisse-moi prier pour toi. Prie pour lui. On a mon père. Faites les tests. On a fait tout est redevenu normal. La glycémie est redevenue normale. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y a une dame. Ça n'allait pas à la maison. Elle a prié, ça n'a rien fait. Elle avait une photo de l'affiche dans la Bible. C'est une affiche d'un de nos programmes. Il y a affiché à moi. Il y avait mon visage dessus. Elle l'a fait sortir. Elle a dit, Seigneur, tu es le Dieu de cet homme. Agis. L'instant d'après, le problème était débloqué. Ton problème à toi, c'est que tu ne sais pas activer l'onction du surnaturel qui est dans cette maison. Je décrète et déclare que le surnaturel entre en jeu. Je dis en ces instants-ci, je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches, mais je dis que le surnaturel entre en jeu. Et Dieu m'a dit ce matin, il y a des hommes et des femmes qui doivent recevoir l'onction du surnaturel. Mais Dieu m'a dit, Ezekiel, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très peu. Et cette huile va venir sur Tu m'as dit, il n'y en a même pas beaucoup. L'huile du surnaturel va les accompagner dans les affaires, dans la vie et dans leur marche de tous les jours. Parce que Dieu veut marcher avec eux. Et alors que je pars, je prie dans le nom de Jésus que cette onction du surnaturel, les rencontres de là où ils sont, les touche et touche leur vie, et les fasse entrer dans une dimension qu'ils n'ont jamais expérimenté. Je dis qu'ils n'ont jamais expérimenté. Le problème, c'est que tu es assis et tu me regardes. Je pensais que tu allais te lever et te mettre à prier. Lève-toi là où tu es. Commence à prier le Seigneur. Reclame l'onction du surnaturel. Reclame l'onction du surnaturel. Reclame l'onction du surnaturel. Mon Dieu. Prie comme si tu étais je ne sais où. Prie comme si tu n'avais jamais prié. Prie comme tu n'as jamais prié. Active cela ce matin. Active cela ce matin. Arabasa. Il y a Dieu là où le naturel n'a rien fait. Je veux que le surnaturel intervienne. Là où le naturel n'a rien pu faire pour moi. Que le surnaturel le fasse. Oh mon Dieu. Rakasakata parade. Shabari ala babos. Yekete rebesha. Ratakabi abababababa. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Est-ce que tu peux encore monter en esprit? Je unaweza panda tena katika roho. Monte encore. Panda tena. Je veux entendre des hommes et des femmes se mettre à prier. Rabena skia wanaume. Rakasho serebashe. Rabanere vaneboshe. La sosozo kote parada. Rakiterebe. Evalusha yanamo. La
Cette onction de cette maison, l'onction du surnaturel qui est sur ma vie, ça se met pour travailler en ta faveur. Est-ce que quelqu'un peut prier? Je connais bien la chambre. La soupe à la Ce que tu attendais que Dieu fasse naturellement, il te dit qu'il va le faire surnaturellement. La paix de la mort, 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 la paix
du surnaturel qui sont ici ce soir. Il y a des anges du surnaturel qui sont ici avec nous ce matin et qui sont venus afin de travailler par rapport à ce dossier-là. Et alors que je suis en train de parler, je vois des anges régler des problèmes avec des parcelles et des maisons. Cette semaine, on va vous dire que le problème de cette parcelle-là est terminé. Cette semaine, il y a une sœur en ce lieu. J'avais l'habitude de porter des histoires comme des bracelets, comme des chaînes un peu au pied. Si tu es là, j'ai besoin que tu cours vite parce que j'ai beaucoup de choses à faire. J'avais l'habitude à un moment de porter comme des bracelets, des chaînes, des chaînettes au pied. Viens vite, viens vite, viens vite. Mandekla Rabasa, reste là. Parce que Dieu était en train de me dire qu'il y a certains actes que tu avais posés qui t'avaient bloqué et qui t'avaient limité. Et les réclamations de cette époque-là sont en train de revenir maintenant pour te hanter et pour essayer de te faire du mal. Mais alors que je suis en train de parler, la puissance de Dieu est en train de briser complètement toute chaîne qui était présente dans ta vie mais que l'on ne pouvait pas voir. Père, je décrète et déclare maintenant que les chaînes se brisent en cet instant dans le nom puissant de Jésus. Là où tu es, peu importe quelle est la chaîne qui avait lié ta vie, peu importe quelle est la chaîne qui t'avait bloqué, je décrète et déclare que cela se brise au nom de Jésus. Je dis que cela se brise au nom de Jésus. Que cela se brise au nom de Jésus. Que cela se brise au nom de Jésus. Je renverse cela. Écoute-moi, je décrète et déclare que ces choses qui avaient du pouvoir sur toi, qu'elles perdent le pouvoir sur ta vie. Je dis qu'elles perdent le pouvoir sur ta vie. Assieds-toi, Pasteur James, donne-lui la chaise. Assieds-toi. Mets juste tes deux mains sur, vers ses chevilles et prie pour elle et c'est tout. Écoute-moi. Ce matin, ne regarde pas ça, c'est un dossier fini. Ce matin, Dieu est venu pour te visiter toi. Mais si tu es distrait, tu vas rater ta visitation. Si tu es distrait, tu vas passer à côté de cette visitation. Il y a trois personnes que cette onction est en train de toucher maintenant même. Alors que je suis en train de parler, je compte une, deux, trois. Recevez cela au nom de Jésus. In Jesus name. Que cette huile du surnaturel vous rencontre là où vous êtes et qu'elle marche avec vous, qu'elle marche avec votre vie, qu'elle marche avec votre destinée. Dans le nom de Jésus, je la relâche maintenant sur toi. Je dis je la relâche. Je déclare que le ciel s'ouvre sur toi. Je dis que le ciel s'ouvre sur toi. Il y a quelqu'un, tu es situé à un projet de voyage. Mais il y a des choses qui bloquent. D'ailleurs, lorsque tu as ton passeport avec toi, viens avec vite, cours. Je ne sais pas où tu es, je ne sais pas si tu es. Tu as un projet de voyage et tu as ton passeport. Comment tu t'appelles? Tu dis? Jemima. Dieu m'a dit de te dire. Il vient d'ouvrir la porte du continent américain en ta faveur. Dieu vient d'ouvrir la porte du Canada pour toi. Et personne ne sera capable de fermer cela. Alors que je parle de ces choses, Dieu me dit, il va t'envoyer là-bas. Non pas simplement pour que tu fasses ce que tu as fait, mais aussi il y aura une mission de la part de Dieu que tu devras accomplir.
Et pour cette mission-là, je te donne cette onction-là ce matin. Père, maintenant, que l'huile vienne sur elle, là où elle se trouve. Jesus. 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 Plus. Saïdé. 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 Jesus name. Tu feras ce pourquoi Dieu t'envoie. Et il t'utilisera puissamment pour faire les plans de Satan. Tu es une épée de Dieu au milieu de ta famille. Une épée de Dieu, une épée, une épée. Que cette épée te soit donnée maintenant. Je dis que cette épée te soit donnée. À une de toi, reçois. Jesus. Je décrète et déclare que tous les projets que tu as fait, que Dieu commence à les accomplir à partir de ce matin. Je dis que Dieu commence à les réaliser à partir de ce matin. Je dis que Dieu se mette à les réaliser à partir de ce matin. Il y a quelqu'un, tu es ici. Ta famille a des origines vers Katana. Katana, Katana. Katana, Katana. Katana. Ta famille est liée à Katana. D'une manière ou d'une autre, viens vite. Moi, je ne sais pas, je ne maîtrise pas. Mais je vois Katana. Ta famille est liée d'une manière ou d'une autre à Katana. Cours vite ici devant, il y a une visitation qui vient pour ta famille. Mamra Sotobra. Il y a quoi avec Katana? Pardon? Maman. Ta mère est de Katana. Tu dis? Ton père a ses origines là-bas. Restez là devant. Mantando si mandele ke mandu savanema. Impambili di atsuraba. J'entends dans cette famille, il y a quelqu'un qu'on appelle Dieu d'eau. Parce que son nom complet, ça doit être Dieu donné, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est un oncle, si c'est une tante, je ne sais pas. Cherchez-moi, c'est lequel d'entre vous. Où est la sœur? Remettez-lui son passeport. Ma fille, c'est fait. Viens prendre ça toi-même. Viens. Viens. C'est fait, acclame le Seigneur. Je dis que toi aussi, ça, Dieu le fasse pour toi. J'entends Dieu d'eau, Dieu d'eau. C'est qui? C'est le petit frère du grand-père de mon père qui a ses origines. Qui a les origines là-bas à Katana? Ok. Can I prophesy? Can I prophesy? Pense à ta place. Dieu me dit de te dire, j'ai fui dans mon esprit une source à Katana. Une source. Et Dieu m'a dit, à cette source-là, il y a certaines choses qui avaient été faites contre ta famille. Il y a des paroles bizarres qui avaient été prononcées. Parce qu'au fait, il y a une croyance là-bas. Que cette source-là, il y a des choses qui se font là-bas. Tu sais de quoi je parle? Je ne suis jamais allé à Katana. Je ne sais même pas qu'il y a une source là-bas. Ce que je dis est vrai. Il existe une source où les gens disent qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans cette source. C'est vrai. Can I prophesy? Can I prophesy? Can I prophesy? Mais tu vois à cette source-là, on était allé dire des mauvaises paroles contre ta famille. Et c'est ce qui a fait en sorte que parfois, c'est quelqu'un enfante et ensuite fausse couche, quelqu'un enfante et ensuite fausse couche, fausse couche, fausse couche, et ensuite il enfante. Et la personne n'a que trois enfants. Alors que je parle, Dieu est en train de briser le pouvoir de toutes ces mauvaises paroles et des incantations démoniaques qui avaient été faites. Alors je décrète et déclare que toute oppression démoniaque qui travaillait afin de te bloquer et de retarder ta vie, de créer des fausses couches financières, des fausses couches maternelles, des fausses couches spirituelles, j'arrête cela au nom de Jésus. J'arrête cela au nom de Jésus. Ma fille, Dieu me dit de te dire, le feu de Dieu sera dans ta bouche ce matin. Oui. Le feu de Dieu va entrer dans ta bouche ce matin. Tout ce que tu déclares commencera à déclarer sur ta famille. Dieu sera en train de le faire. Et pendant que je parle,
Je vois un ange qui prend le feu et qui le fait entrer dans ta bouche. Afarlos, reçois cela. Reçois que ça entre, ça entre, ça entre. Que ça entre, que ça entre. Now. Il fait entrer la troisième. Il fait entrer la quatrième boule de feu. Il fait entrer la cinquième. À partir de là, c'est fini. Reçois au nom de Jésus. Je déclare que Dieu se serve de tes lèvres afin de provoquer le surnaturel. Je disais que Dieu se serve de tes lèvres afin de provoquer le surnaturel. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Écoute-moi. Neske. Oh mon Dieu. Oh mon God. 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 Là, Dana. Il y a un ange. Na malaika mocha. Je le vois faire le signe que l'on fait devant un avion qui atterrit. Na mona na fanya alama mbo na fanya kambele avion mbai kona dire. Oh mambra da brasa. Je comprends. Que ce que Dieu avait réservé pour toi vient d'arriver maintenant. Je te dis, ça vient d'arriver. Je dis, ça vient d'arriver. Ça vient d'arriver. J'aime cette vision. J'aime cette vision. Je le vois faire ça. Je le vois en train comme de diriger. Je le vois faire ça. Je le vois faire ça. Avec ce qui semble comme être des drapelés. Ce que tu as longtemps attendu, ça commence maintenant et ça commence désormais. Ton amen n'est pas arrivé ici. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Lève ton téléphone. Soulève ton téléphone, ton porte-monnaie. Soulève moi-même ton sac, c'est pas grave. Father, Baba, dans le nom de Jésus. Sous l'onction du surnaturel, je déclare maintenant. Je dis maintenant. Il y a quelque chose qui va se faire. C'est que Dieu va mettre surnaturellement des fonds dans tes comptes bancaires, des fonds dans ton compte Airtel Money Orange, dans ce sac que tu as, surnaturellement quelque chose va apparaître. J'ai parlé de l'onction du surnaturel. Je décrète et déclare que Dieu va le faire et le fait maintenant en ta faveur. Est-ce que quelqu'un est prêt? Je disais, est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un est prêt pour le surnaturel? Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherchais, mais Dieu va le déposer surnaturellement dans ce sac là. Je peux déposer un billet d'avion, tu ne sais pas d'où ça vient. Je peux déposer le reçu de la faculté, mais tu ne te rappelles pas avoir payé. Ça entre dans le sac. Je te parle de l'onction du surnaturel. Dieu, pour les autres, Dieu va résoudre le problème. Pour d'autres, Dieu va faire quelque chose qui est juste un signe. Tu vas résoudre le problème. Tu auras des unités, tu ne sais pas d'où ça vient. On va t'appeler maintenant. Envoyer un message et te dire que tu viens d'avoir le travail, que cette dette est payée, que ce problème est terminé. Au moment où je parle, les anges du surnaturel se mettent à travailler. Soulève cela, soulève cela. Si tu as ta carte bancaire, soulève cela. Je n'ai pas dit demain, j'ai dit maintenant là. Ça va se faire pour toi maintenant. Ça va se faire en ta faveur maintenant. Soulève cela. Combien le croient? Combien le croient? Combien le croient? Pousse un cri de joie si tu le crois. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus. Miracle money now. Jesus mighty name. Père, je relâche maintenant des miracles financiers surnaturels. Je relâche maintenant des miracles d'emploi surnaturels. À l'immédiat. Instant.
instantanément. Maintenant même, j'entends à une bonne nouvelle. Entrez dans ce téléphone, dans ce compte bancaire, des unités surnaturelles, des signes et des prodiges surnaturels s'opérer maintenant dans ce sac-là. J'ordonne maintenant, je dis j'ordonne maintenant, que ça entre à l'intérieur des pages de ta Bible, que ça entre, que les anges mettent cela, Now. Je dis maintenant, reçois. Tu n'entends, tu n'as pas dit je reçois. Reçois cela. Je dis reçois cela. Ça se fait maintenant. Ce que tu n'avais pas, Dieu te le donne. Là où tu avais, Dieu ajoute. Là où tu en avais un peu, Dieu ajoute. Ça peut être 1, 2, 3, 4. Mais ça va être quelque chose que tu n'avais pas. Que Dieu va ajouter dans ce que tu avais. Et là où tu n'avais rien, Dieu va mettre ce qu'il n'y avait pas. Maintenant même, je le déclare. Dans ton porte-monnaie, dans ton sac, dans ton téléphone, dans tes affaires, dans ton compte bancaire, là où tu es, tu vas voir quelque chose en bas par terre. Tu ne vas pas savoir ça vient d'où. Je dis reçois-nous maintenant. Au nom de. Au nom de. Commence à vérifier. Commence à vérifier. Il y a quelque chose de sur. Ne t'assieds pas. Si tu as la force, reste debout. Si tu as de la force, sois debout avec moi. Si tu es très fatigué, assieds-toi. Si tu as de la force, reste debout avec moi. Commence à vérifier. Dès que tu vois ce que tu n'avais pas, cours vite ici devant. Avec ton témoignage. Que ce soit petit ou grand, viens avec ton témoignage. Que ce soit insignifiant ou extraordinaire, viens avec ton témoignage. Au moment où je parle, il y a des choses qui viennent de se faire. Viens vite. Check. Vérifie. Si le message n'est pas là, entre, commence à taper toi-même, tu commences à vérifier. Ce que tu n'avais pas, Dieu te l'accorde. Qu'est-ce qui vient de se passer? Viens. Cours vite. Qu'est-ce qui vient de se passer? Cours vite. Viens. Elle n'arrive pas à marcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'arrive pas à marcher. Mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pasteur James, viens le soir. Pasteur James, allez. Oui. Tu n'en avais pas. Tu es sûr, tu n'en avais pas. On t'a même donné l'offrande pour venir. Tu n'en avais pas. 40 000 francs. On n'a pas ta 40 000 francs. Elle n'arrive pas à marcher. Elle a dit, on m'a même donné l'offrande pour venir. Même l'offrande que je devais mettre, on m'a donné. Tu ouvres le sac. On a fourni le sac. 40 000 francs. Je dis toi aussi reçois cela au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Ça c'est ce qu'on appelle l'onction du surnaturel. Qu'est-ce qui s'est passé? Viens avec le témoignage. Viens. L'onction du surnaturel. Oui. Je viens de recevoir $1,000. $1,000. Par quelle voie? Attends. Par quelle voie? C'est quelqu'un qui t'a envoyé le message pour t'annoncer. $1,000. Ça entre directement dans mon compte Airtel Money. C'est entré dans le compte Airtel Money. Montre-moi. Où est la caméra? Wapi caméra Iko. Emmenez ça à la caméra. Ça, c'est ce qu'on appelle miracle money. L'onction du surnaturel. Je dis toi aussi reçois au nom de Jésus. Ton problème c'est que tu n'as pas. Tu pensais que j'ai blagué.
Ton problème, c'est que tu pensais que je blaguais. Maintenant que tu as compris que je ne blague pas, je déclare que tu reçoives cela maintenant. Je dis toi aussi, reçois au nom de Jésus. Je dis toi aussi, reçois au nom de Jésus. Je dis toi aussi, reçois au nom de Jésus. Vérifie encore. Même si tu avais déjà vérifié, vérifie encore. Ça vient d'entrer maintenant. Je vous ai dit ce matin, c'est une matinée. Qu'est-ce qui s'est passé? Jesus. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique au pasteur James. Facilier à pasteur James. Mon Dieu. Mon quoi encore? Tu sais, il y a des choses. Ça n'aime pas la chaise. Il faut être debout pour les recevoir. Je dis, reçois ça au nom de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Miracle man, papa. Oui. Il n'avait rien dans son compte franc, mais il vient d'avoir 97 100 francs. Non, non, 97 100 francs. Mon fils, tu n'avais rien. Rien. Maintenant, ça vient d'où? Il a toqué à Wapi. Demande au voisin, maintenant ça vient. Ça, c'est ce que l'on appelle l'onction du surnaturel. Le problème, c'est ton vase. Qu'est-ce qui. Écoute, pendant que toi tu rêves, les gens sont en train de recevoir. Regardez. Je dis toi aussi, reçois. Que 10 000 dollars entrent dans ton sac. Je n'ai pas 10 000, je dis 10 000. 10 000 dollars, il y a un sac encore. 100 000 dans ton compte. 100 000 dans ton compte. Je dis receive in the name of Jesus. Receive in the name of Jesus. Oui. La sœur vient de recevoir 7 dollars de plus dans son compte. 7 dollars de plus. Qu'est-ce qui s'est passé, mon Dieu? Mon Dieu. Je te dis, il y a des gens. Dieu les a oués seulement pour les choses surnaturelles. Ma fille, tu as reçu 7 dollars de plus. Tu n'en avais pas. Tu avais combien avant? Tu dis? Tu avais 80. Quand tu as vérifié, c'est devenu 87. Je dis que Dieu t'ajoute ce que tu n'avais pas. Amen. Je dis au nom de Jésus. Mon fils, qu'est-ce qui s'est passé, pasteur? Le frère vient de recevoir 142 000 francs. 142 000. Jesus. Le Dieu de la Bible est réel et il est vivant. Yes. Je disais, le Dieu de la Bible est réel et il est vivant. Amen. Si tu le crois, tu le reçois. Je dis, si tu le crois, tu le reçois. Si tu le crois, tu le reçois. Si tu le crois, tu le reçois. Je reçois mon cœur. Jésus. Manterando zondengi vamba basita. Iperida sotoloba. Quand je parle en langue, si tu étais. Si tu étais spirituel, tu allais recevoir. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je dis, même si tu as vérifié deux fois, il n'y avait rien. Vérifie encore maintenant. L'homme de Dieu a envoyé le serviteur sept fois pour vérifier. À la septième fois, il a vu qu'il y avait le nuage. Je dis, si Dieu l'a fait pour les autres, toi aussi, maintenant même, tu le reçois au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est en train de revérifier bien. Ok. Écoute-moi. Si Dieu peut donner 40 000 francs dans un sac, là, il y en a. Si Dieu peut mettre à quelqu'un 1000 dollars dans un compte RTL Money, alors. Dis-moi maintenant, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? C'est pour cela que l'ange Gabriel, lorsqu'il parlait avec Marie, il a expliqué à Marie. Et à la fin, il lui a dit, car rien n'est impossible à Dieu. Qui t'avait fait croire qu'à Dieu quelque chose était impossible? Maintenant je libère Miracle Job. Qu'on t'appelle maintenant pour te dire que tu as reçu le travail. Je dis qu'on t'appelle, qu'on te fasse un mail. Active la connexion, je t'autorise à activer. Qu'on te fasse un mail maintenant. On te dise que le travail vient commencer. Qu'on t'envoie un texto.
Si Dieu n'est plus capable de te donner, donc ce n'est pas Dieu. Si Dieu ne fait plus de choses qui fait en sorte qu'on se pose la question, comment est-ce que c'est possible? Donc ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Jésus de la Bible. La foule s'exclamait et elle disait: il fait tout à merveille. Il fait tout ta merveille. Tout ce qu'il fait, c'est surnaturellement qu'il le fait. Dis-moi maintenant, quelle est cette chose-là que tu voulais que Dieu fasse? Tu vois ça? C'était juste pour te prouver et te montrer que rien n'est impossible à Dieu. Maintenant que ta foi est activée, j'aimerais que tu pries pendant 3 minutes pour ce besoin-là que tu as. Si tu le peux, lève-toi maintenant. 3 minutes. Lève-toi là où tu es. 3 minutes. Prie maintenant. Fais maintenant une prière de la foi. Si tu sens que tu es trop fatigué, reste assis. Si tu as la force, lève-toi. Commence maintenant à prier. Oh mon Dieu, Je décrète et déclare que c'est fait. Je dis c'est fait. Je dis c'est oui et amen. Pasteur James, amenez-moi les témoignages. Pasteur James, c'est le témoignage. Continue de vérifier. Dieu n'a pas fini. Oh, rababababa. Ratakaramandesa. Yelibando sofa. Le Jésus qui a dit à Pierre, va pêcher le poisson. Et à l'intérieur de la bouche du poisson, tu vas trouver une pièce d'or. Je prie que ton RTL mani soit la bouche du poisson. Que ton compte bancaire soit la bouche du poisson. Que tes poches deviennent la bouche de ce poisson. Dans le nom de Jésus. Pasteur James, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. La sœur vient de recevoir 86 000 francs. 86 000. Hey. Amenez ça à la caméra, papa. 86 000. Est-ce que tu ne peux pas célébrer Jésus? Est-ce que tu ne peux pas célébrer Jésus? Rosata la baya valadia. Ibrada la bosso talagai. Mon Dieu. Mon quoi? Écoute-moi. N'est-ce que... Même si Dieu te donne 100 francs, mais s'il le fait surnaturellement, c'est pour te prouver qu'il est Dieu. Afin que tu sois maintenant prêt à vivre, à avoir la foi pour recevoir ce que tu dois recevoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je libère cela pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Vérifie, Pasteur James. Vérifie-moi ça. Je suis en train de compter 10 jours. Et que dans 10 jours, ta vie ne soit plus jamais la même. Dites-moi, on est le 10e aujourd'hui. On est le 10e. Hein? Le 19. C'est-à-dire, on arrivera le 30 juin. Et 30 juin.
Que ta vie ne soit plus la même. Quand tu viendras pour la prière de la nation, tu auras déjà un témoignage surnaturel. Tout ce que tu attendais, que ça ne dépasse pas un délai de 10 jours. Je dis, je m'agenouille ici comme sacrificateur de cette prière. Que ça ne dépasse pas un délai de 10 jours. Que dans les 10 prochains jours, que le Seigneur te l'ait déjà accordé dans le nom puissant de Jésus. Si tu étais spirituel, tu allais comprendre qu'il faut déposer quelque chose sur l'autel. Des choses qu'on met dans les paniers, d'autres qu'il faut mettre sur l'autel directement. On ne peut pas tout vous apprendre. Lève-toi là où tu es. Lève-toi maintenant là où tu es. En clôture, ne t'inquiète pas. Papa, c'est pas fini. C'est pas fini. La sœur avait avant-hier 11 000 francs. Elle avait avant-hier 11 000 francs. Elle a tout retiré dans le compte, il n'y avait plus rien. Oui. Mais il y a 50 francs qui viennent d'entrer dans son téléphone. Il y a 50 francs. Oui, oui. Qu'il n'y avait pas. Il n'y en avait pas. Quoi? C'était 0-0. Il quoi, là, c'est 50 francs qui viennent d'entrer. Oui, 50. Je te dis, même si c'est 1 franc, s'il n'y en avait pas, donc c'est un miracle. S'il n'y en avait pas, donc c'est quoi? C'est un miracle. Tout ce qui m'intéresse, c'est que c'est un miracle. Le reste, ça ne nous regarde pas. S'il y en avait, alors c'est pas un miracle. Mais s'il y en avait pas, même si c'est un franc, it's a miracle. It's a miracle. It's a miracle. Je dis que Dieu le fasse pour toi. Et tu sais, parfois Dieu peut faire quelque chose de pareil. Tu n'avais rien, mais juste 100 francs dans ton air. Là, c'est pour te faire comprendre. C'est Dieu qui te dit, tu doutais pourquoi. Si tu croyais, j'allais faire plus que cela. Mais ça, c'est juste pour te montrer que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est vrai. Et c'est vraiment moi qui est en train de faire ça. Mais comme tu ne crois pas trop, je mets ça. On était une fois dans une réunion comme ça. Un homme de Dieu a déclaré. Mon père a déclaré miracle man. Les gens ont commencé à recevoir. Il y a un frère, lui, il doutait. Quand il a douté, il avait 5 dollars. Les 5 dollars ont disparu. C'est que quand Dieu fait les choses, il les fait dans les deux sens. Si tu as la foi, tu reçois. Si tu as l'incrédulité, tu perds. Voilà pourquoi refuse l'incrédulité dans ta vie. Lève tes deux mains vers le ciel. Baba, je déclare que cette nation est bénie. Ce peuple est béni. Au nom puissant de Jésus. Que cette semaine, qu'ils marchent et qu'ils opèrent dans l'onction du Saint-Esprit. Et qu'ils vivent le Dieu de la Bible. Dans le nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur. Assieds-toi là où tu es. Assieds-toi là où tu es. Mon Dieu, quel culte, Ibadakan. Quel culte, Ibadakan. On peut avoir des cultes pareils tous les jours. Mais le problème, c'est que toi, dès qu'il est 12h juste, tu regardes la montre. Et quand je te regarde, je vois déjà que tu as envie de rentrer. Je te laisse rentrer. Et tu rentres avec ton problème, avec tes combats. Je préfère traîner. Mais quand je rentre, je suis libre. N'est-ce pas? C'est vieux. N'est-ce pas? C'est vieux. À quoi ça sert de rentrer dans la même maison où il y a les problèmes? On n'est pas fatigué d'être là-bas. Ah oui, choc quoi? Il y a des gens, tu vas rentrer ce matin, ce dimanche. Ton mari te dit, oh mais vous n'avez pas traîné aujourd'hui à l'église? Dimanche prochain, moi-même je viens avec vous aussi à l'église. Alors que tu venais seulement toi-même sans ton mari. Oh, je dis dimanche prochain, tu seras avec ton mari ici. Oui. Tu vois comment tu n'as pas reçu? Tu doutes encore comme pour Miracle Man. Ça va se faire. Dimanche prochain, toi tu apprêtes seulement la veste le matin. Tu apprêtes la cravate. Tu apprêtes les chaussures. Tu dis chérie, on quitte à 9h. On quitte à 8h30. Te demandons par où? Tu
Il dit à l'église. Mais j'ai beaucoup de choses à faire. Tu dis non, j'ai déjà tout à prêter. Les vêtements sont prêts, tout est prêt. Ma face côté. Allons-y alors. Et puis seulement tu vois, viens aussi avec toi. C'est avec moi la foi. C'est ma pomme chana. Il y a une femme. C'est la mère d'un de mes amis. Son père est un grand dans l'armée. Et il buvait beaucoup. Son épouse était une femme qui priait. Un jour, elle est rentrée à la maison. Elle en avait marre. Elle a pris un verre. Elle a envoyé son fils acheter la bière. Elle a emmené la bière. Elle a pris le verre. Elle ne servait jamais à son mari la bière. Ce jour-là, son mari s'est étonné, sa femme est en train de venir avec la bière. Elle dépose la bière. Elle sert. Elle dépose. Elle dit prends. C'est le dernier verre de bière que tu prends dans ta vie. Le mari pensait que c'était de la blague. Il a bu. Jusqu'aujourd'hui. Il n'a plus jamais bu l'alcool.